Parce que t'as reçu mon invitation. Attends. Pourquoi est-ce que le jeu ne démarre pas? Attends. Qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre, le mec, tu te demandes, il a une voix vachement grave, puis tiens, pourquoi ça démarre pas? Ah, dis donc. Attends, pourquoi je le vois nulle part d'ailleurs, le Minecraft là? Et où? Alors, bonjour mesdames, mes toi-mêles et mes vieux. Donc ici, on va essayer Minecraft Dungeons avec l'ami Master Hack, s'il arrive à nous rejoindre. Master, est-ce que tu arrives à nous rejoindre? Ah, ça a l'air. Le jeu est en cours de démarrage. Alors, le chien, c'est que tu sais pas zoomer, dézoomer. Alors, à quel type d'insulte j'ai le droit sur ton stream? Je m'en fous. Tu t'en fous, parfait. Donc attends, partie en ligne. Et rejoindre. Donc là, cette fois-ci, fais pas de conneries, je te rejoins. Et évite de me rejoindre en même temps. Ah, en effet, nous sommes entrés dans la quête. Non, ne me dis pas que la coupe est sûre. Voilà. Envoyez un message à vos amis. Non. Oui, on s'en fout un peu de ça, oui. T'es quel niveau, toi, depuis ce matin? Pas ici. Allez, t'es déjà niveau 53? Non, je suis niveau 10. Ah, t'as acheté le pack machin. Ouais, mais le pack, c'est juste la cape et le petit pingouin là qui me suit. Ah, d'accord, ok. Bon. Tu admires que je pète le feu, j'ai un casque ultra fashion. Ouais, tu vois ça. Est-ce que je peux te donner des... Tu sais pas zoomer et dézoomer en fait. Non, tu peux pas. C'est un des seuls défauts du jeu, c'est clair. Je peux pas te donner d'objet? Aucune idée. Essaye. Balance un objet, je vois. Bah non, l'inventaire ne permet pas de balancer des trucs sur le sol. F1, c'est quoi ça? F1. Se téléporter. Oh. Ah ouais, je peux me téléporter sur toi. Ouais. Couture. Ouais, quand on est séparés sur la map, ouais. Attends, et c'est quoi là que tu m'as dit? Des provisions? Non. Bon, bah on va lancer une mission. Hein. De toute façon, bon, moi je n'ai fait que la première. Eh ben vas-y, je te suis. Le bois des creepers. Donc, c'est dommage que je puisse pas te passer les objets. Je vais regarder sur le net pour voir. Ouais, mais regarde après. De toute façon, c'est pas... Accepte. J'accepte. Alors, déplacement vers le bois des creepers. Ah, par contre, le jeu, il a de la gueule. Par décret de l'archilageois, tous les individus libres sont considérés comme ennemis de l'Empire Illageois. Quelque part dans les bois, une caravane transporte les prisonniers illageois pour les faire travailler. T'es déjà mort? Trouver la caravane. Qu'est-ce qui s'est passé? Et stopper les illageois, où nos amis villageois vont avoir de vraies raisons de hurler. Je suis connecté dans le jeu, je suis mort. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as atterri dessus, non? Oui, je sais pas. La nuit vous blessera dans 10. Quoi? Un ami est tombé. Ranimer les... Ouais, mais on fait comment pour le ranimer? Ah, et voilà. Voilà. Ultra Mathieu. Ah, à l'assaut. Et je... Attends, que je me mets de la vie. Je comprends pas pourquoi est-ce que je suis mort. Me pose pas la question. Je peux pas taper? Il y en a un qui est enfoui dans le sol là, ouais, ici. Apparemment ils ont... Ou alors s'il y a un endroit caché ici, il y a un accès caché peut-être. C'est clair que c'est assez difficile de savoir parfois où sont les accès
Ouais. Planqué. Ben non, apparemment il a phasé au travers du sol. Alors, à mon avis, ils vont avoir besoin d'un patch hein, pour régler quelques trucs. Alors voilà, pour ceux qui nous suivent, donc Minecraft Dungeons, donc un petit jeu à la Diablo, mais dans l'univers de Minecraft, pourquoi pas. Donc c'est assez simple, vous avez le clic pour attaquer, un autre clic pour attaquer à distance. Y a quand même assez du mob hein. T'as mis quoi comme niveau de difficulté? Normal. Ah, c'est quoi ça? Yeah, des émeraudes. Alors la monnaie, c'est des émeraudes. Attends, on part pas trop en avant là parce que... Oh! T'as ouvert un coffre ou pas? Y'a un coffre, tu l'as ouvert? Ouais, attends. Il y a quoi là? Ah. Et donc le jeu est sorti aujourd'hui, il est disponible sur la boutique de Prosoft. Hein. Pour ceux que ça intéresse. Le gameplay est pas révolutionnaire, il est assez simple. Ah, un gain de niveau. Attends, deux secondes. C'est Fantomas. Un des gros défauts du jeu, c'est que lorsque ça décide de te mettre des indices à l'écran, tu peux en général pas les virer. Moi, jusqu'à ce que je dise la potion. Moi, ce que je fais, c'est que je vais dans le menu, tu désactives les messages de choses, et puis ensuite t'es pas là. Et ensuite tu le réactives si tu veux. Mais... Bon, où est-ce que t'as été de foot? Est-ce que tu gagnes de l'expérience quand je les tue les trucs ou pas? Ouais, un petit peu. Alors, tiens, viens. Attends. Et est-ce que ça te donne des diamants lorsque je chope aussi? Non, à mon avis, ce que tu ramasses, c'est juste toi qui les obtiens, ça. Alors, la manière dont le jeu fonctionne, c'est qu'à chaque fois que vous prenez un niveau, vous gagnez un point d'enchantement, ce qui vous permet d'améliorer une de vos armes. Donc vous avez toujours le choix entre trois options. Vous pouvez upgrader plus en avant au fur et à mesure. T'as un coffre géant là ici, tu vois. Vas-y, prends. Hyper rare. Alors, il faut aussi savoir quelque chose quand je t'entends dire qu'on peut améliorer les armes. Les points que tu dépenses dans les armes, quand tu vas recycler tes armes pour en prendre des plus puissantes, en fait, recycler c'est tu les vends, ben tu récupères ces points. Ben oui, oui, apparemment ils sont. Vu que c'est un nombre fini de points, si tu veux, c'est pour ça, c'est vrai que ça aurait été idiot à chaque fois quand tu dépenses tes points sur tes armes. Jusqu'à ce que je comprenne ça, moi j'avais décidé de pas dépenser mes points. Puis après j'ai compris que non, les points tu les récupérais. Je pensais que c'était des améliorations que tu perdais. Parce que à chaque coup que je suis dans le menu, toi tu pars à Goosey Poulet Vanpy. Ah, on a oublié de visiter une bonne partie de la map là. Y'a pas une carte. Si si, y'a la carte, y'a Ah ouais, ok, c'est bon. Et en fait, on va revenir en arrière parce que. Oui, c'est comme dans les grands classiques, tu appuies sur Tab et tu vois la map qui s'affiche, ok. Non, mais apparemment, bon, dans les grandes lignes, le jeu est un action RPG, somme toute assez classique.
coffres ici, je te laisse les prendre. Naturellement, vous avez votre attaque au corps à corps et votre attaque sur l'autre touche de la souris à distance. Vraiment, vous avez les munitions, elles sont limitées, mais vous ramassez des flèches au fur et à mesure. Je vais prendre les deux coques. Et attends, avant d'aller là-bas. Reviens. Ah, attends, il y a un machin ici. Oui, mais va prendre les deux coffres. Ça sur la carte. Vas-y, va te servir. Ouais, en parlant de flèches, justement on en récolte. Ah, bah voilà une armure. Alors. Et voilà, tiens. Ah. Un passage secret. Je t'emmène dans mon donjon. Là, clique sur la carte. La crypte effrayante. Ah merde. Pas de vol. Au fur et à mesure que je me tapais, j'ai tapé dans le vide, le machin il est apparu. Alors, on va pas sortir tout de suite. Tiens, on a fait le coffre. T'as encore une armure? Putain, c'est la même en plus. Alors, ce qui est bien, c'est que quand tu changes l'armure, ça change la tronche du perso. Ça, c'est sympa. Ça dépend le style d'armure. Bon, attends, alors... deux secondes que j'améliore. Ah, il faut que tu la prennes, celle-là. Attends, c'est une armure unique en plus. Donc, ce que je te disais là, si tu vois pas l'armure, ça veut dire qu'on a chacun notre loot qui apparaît à l'écran. Parce que là, il y a une armure du renard unique là qui est devant moi. C'est bien dommage d'avoir un jeu où, alors il reste une partie qu'on n'a pas vue, d'avoir un jeu au final où tu peux pas partager le loot si tu en as pas besoin. Du coup, tu peux pas spécifier à l'un ou l'autre, bah tiens, prends ça, je l'utilise pas, c'est dommage. Ouais, on a tout fait. Alors, autre chose, je sais pas si tu avais marqué, mais en appuyant sur Tab, donc tu as la carte en transparence qui apparaît. Et si tu veux voir les coffres qui restent dans le monde à trouver, c'est en appuyant sur M. Ça te mettra le nombre de coffres que tu peux encore trouver dans le jeu. Ah ouais, les secrets. Alors j'ai eu beau à chaque fois fouiller parfaitement le monde, il y a toujours un foutu coffre secret que je ne trouve pas. Qu'importe les parties. À un moment donné, il y en a eu un pile poil que j'ai pas réussi à trouver. Par contre, les maps, elles ont l'air assez. Il y a des coffres là-bas. Ouais, mais moi, ce que je regrette, c'est que la caméra, tu puisses pas la tourner. Ça devient un peu le bordel parfois. Parce que t'as trop d'éléments qui sont à l'écran. Ce que j'aime bien, c'est que quand tu fais pour te téléporter sur un ami, il fait genre comme Thor dans, dans les Avengers, il fait tourner son arme et la lance en l'air. Alors, il y a rien ici. Ah bah tiens. Ah, il y a un coffre ici. Vas-y, prends-le. Une potion de force et nouvel arc. Mais qui est pas plus balèze que celui de Jetja. Il y a un gros coffre en or massif. Encore une armure, armure du loup. L'armure du chasseur commun. Alors, qu'est-ce
qu'il y a un arc commun. Ah tiens, l'armure là, je peux le... Ah ouais, on peut l'upgrader aussi, parfait. Et recycler, c'est... Recycler, en fait, tu le vends. Et tu récupères les points que tu as aussi mis dessus. Ah, ok, parfait, ça. Ah bah, on va faire ça. Bon, de toute façon, ceux-là, j'en ai pas besoin. Ceux-là non plus. Bah donc du coup, attends, ce qu'on va faire, feu rapide pour lui. Et alors ici... Ah non, je n'ai récupéré qu'un seul point, ok. Potion de régénération d'affaire sur elle est illimitée. Que je sais pas si tu avais vu. Ouais, j'avais remarqué, ouais, ok. Bah, t'as un cooldown, je crois, non? T'as quoi, tu dis? Il y a un cooldown dessus quand même. Sinon, c'est un peu balèze. Par là. Ouais, mais non, on atterrit au même point de toute façon. Voilà. Y a pas d'autre. Et on atterrit pas au même point, on repasse par-dessus. Descendre en bas si on meurt. Il y a un autre endroit de la map là plus bas qu'on a passé, je crois. Ouh, un embranchement. Il y a moyen de rentrer ici. Rentre. Allez, provisions. Toi t'es cool, tu vas chez les gens et puis tu te dis tu fais tout casser. C'est comme dans Zelda, hein, tu rentres chez les gens, tu casses toute leur poterie. Ici. La dynamite. Alors, la dynamite, tu sais comment ça fonctionne? Non. Alors, quand tu vas utiliser ton arc, ça va la balancer. Ah, ok, ça va. Donc, méfie-toi, elle explose toute seule. Et si jamais t'en as deux ou trois sur le crâne, parce que tu peux les stacker, bah, voilà déjà. Donc, tu viens de tuer mon toutou. Je te remercie. Ah, merde. Alors attends deux secondes que je regarde tout ce que j'ai ramassé. Un os appétissant, invoque un loup qui vous aide en combat. Ben voilà. Un requin-loup. Un requin-loup, ah bon. Un chien-loup, non?
Non, j'ai dit un loup. Ouais, t'as dit un requin loup. Non. Je sais pas où t'as vu ça, moi. Eh ben, tu écouteras, c'était requin loup, c'est ce que tu as dit. Non. Écoute, vu que désormais tu utilises un loup, eh ben moi, j'ai décidé d'utiliser un lama. Voilà. Un lama d'autodéfense. Alors, c'est très bizarre de voir des véhicules avec des roues carrées. Je pense que les suspensions, ça doit. Comme dans l'épisode de MythBusters où ils avaient mis des roues carrées sur une bagnole. Je dis alors voilà, c'est en fait si t'arrives à atteindre une certaine vitesse, ah. En fait. Ah, ça c'était nouveau, je l'ai jamais vu. J'ai appuyé sur un bouton, mais je sais pas ce que ça fait. Tu ne sais pas ce que ça fait, mais tu l'as fait. Bah écoute, ça a appuyé sur un bouton, je sais pas ce que ça a activé. Je l'avais jamais vu ce bouton. Et un bouton où ça? Là, la dalle en fait, là, ça s'est enfoncé. Donc il y a quelque chose peut-être. Ah, peut-être plus loin parce que ici je vois rien. Ici il y a un portail qui est ouvert, maintenant je sais pas si c'est ça. Normalement c'est pas ça, c'est la suite. Non, je sais pas ça. Parce que ça aurait activé. Alors ça dans le portail c'est normal. Alors j'ai pas fait gaffe et ouais c'est ça que ça ouvre mais. Peut-être. En tout cas, je ne vois rien de suspect sur la map. Et voilà, gain de niveau. On va améliorer l'armure. Alors, combustion. C'est pas mal ça. Et épine. Ouais, épine. Empoisonné sur l'épée quand même c'est efficace hein.
cette zone ici. Ah, un coffre. Ah, d'accord. Bon, bah, t'as été dans, bon, dans le mauvais sens. C'est moi qui suis parti dans le bon sens. Je crois que c'était l'inverse. Donc, bah, tu pètes le coude, voilà. Tricheur, hein. Bah, c'est vrai que ça, c'est surtout vu le, des fois la taille de la map, c'est quand même plus simple. Ah, y a un avantage et un inconvénient. T'as marqué que si jamais je meurs, t'as 30 secondes pour me ranimer, sinon toi aussi tu meurs. Ah bon? Ouais. C'est débile ça. Oh, des creepers. Ces villageois ont été libérés de l'emprise des villageois. Tout ça grâce à vous. Oh mon Dieu, grâce à nous. Vous avez libéré ces villageois des syndicats. Grâce à vous. Ah si seulement. Créature vaincue, 99%. Coffre ouvert, 100%. Des bottes de célérité, ouais. Alors, je pense que... Alors, t'as marqué que t'es un forgeron désormais qui est là. Ouais. Allez, mes bottes de célérité, mais j'ai plus d'emplacement de, d'équipement, moi. Alors, non, c'est dans les... Ah, c'est un artefact, quoi. Ok, ça va. Alors, forgeron... Ouais. Pièce d'équipement aléatoire, 84. Une robe d'évocation, temps de recharge des artefacts, moins 25%. Aura de vitesse de mouvement, plus 15%. Tu vois mon armure là quand je la change ou pas? Attends, t'es où? Ouais, ben t'as une robe hein, et t'as le, une armure, ouais. Là j'ai ma torche. Ça, celle-là, ça fait costaud. Provision, oui. Ah non, d'accord, c'est les touches. C'est vrai que ça m'a paru bizarre lorsque j'ai. La première fois le machin de faire qu'à la souris, ouais. Alors attends, parce que du coup, il faut que je. Ouh, j'ai une épée avec vampirisme. Yes, ça tombe bien, c'est mon truc favori. Ça, le vampirisme, fait un petit peu moins de dégâts, mais c'est pas grave. Et l'autre, c'est quand elle fait impliquer, augmente les dégâts infligés contre les ennemis déjà blessés. Ouais, bon. Ouais, on va la recycler, celle-là. Lui, ici, l'arc-là, il est pas mal. Infinité, chance de récupérer immédiatement une flèche tirée. Ouais. Ricochet. Viens me rejoindre après, je voudrais voir si jamais j'arrive à voir tes dégâts lorsque tu t'entraînes. Tu les vois moi les dégâts que je fais ou pas? Non. Ah, tu vois pas le moment. Non, je ne les vois pas. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme arme là que j'ai reçu dernièrement? Ah oui, tiens. Ah tiens, dans les améliorations, de la robe, barrière de potion. Quand vous utilisez une potion de soin, vous infligez
C'est bizarrement phrasé ça. Enfin, je crois que c'est plutôt vous subissez moins 90% des dégâts pendant ouais, une courte période. Je pense qu'il y a quelques petites traductions qui sont pas encore. Ouais. Tiens, et regarde, tu veux voir ma mitraillette? Ta mitraillette? Regarde. Ah, c'est une arbalète, ouais, ok. La mitraillette. T'imagines le mec, il a hacké le jeu, il a mis une AK-47. Tu sais quoi, en fait, la robe, elle m'offre plus d'avantages que l'armure du chasseur. Bon, on va équiper la robe. On va recycler l'armure. Ça, on va... Hop, voilà. Et au niveau de l'arc, alors on a quoi? Agrandissement, les projectiles grossis dans l'air. Ouais. Augmente la puissance de tir des flèches. Projectiles infligent des dégâts aux ennemis enchantés. Ça fait beaucoup de merde que j'obtiens en jouant avec toi quand même. Bah apparemment tu as le loot qui est un peu qui est augmenté selon le nombre de joueurs. Ouais. Je veux pas faire ma mijaurée mais je suis habitué à mieux hein. Ouais si ça te plaît pas, merde. Ah une arbalète rapide. Chouette. Ben voilà. Alors mon morceau de viande là. Oula, par contre, au niveau des dégâts, dégâts à distance 7 et mon arc qui fait 38. What? Ah, c'est juste que t'as l'arbalète, elle est. Ok, d'accord, elle est plus rapide. Ouais, du coup, je sais pas si ça vaut vraiment la peine que je la garde l'arbalète. Putain, elle dit qu'elle a 84 émeraudes pour ça. Un arc piège. Alors, ouh, ça peut frapper plusieurs cibles en même temps. Yes. Ah, par contre, au niveau des dégâts, ça peut faire tir multiple ou infini. Ouais, bon, allez, tant pis, on va essayer. Artefact, qu'est-ce que j'ai? Attends, on va tester ça. Oh waouh! Champignons là, je peux combiner tout en même temps. Ah mais ça regarde, ça ce que je pose, c'est un totem de protection. Oui ça je crois que j'avais compris quand j'avais vu la tronche du truc ouais. Ah par contre ce qui est con c'est que la canne à pêche elle ne vise pas où tu montres le. Et ça, c'est un totem de vie. Le bruit quand tu le lances, ça me fait presque penser à, tu sais, dans Fairy Tales, là. Ouah ! C'est quoi, c'est une baguette, ça ? Bon, allez. Alors, je vais essayer avec toi mon moissonneur d'âme. Alors, on a le choix entre le marais, le champ de citrouille, le canyon ou les mines de redstone.
Bon, le marais, non ? Choisis celui que tu veux. Le marais boueux. Alors, difficulté. Niveau 2, ouais, puissance recommandée 4. La puissance de notre équipe, elle est de 9, donc c'est bon. 3. Puissance recommandée 10. Ouais, on est un petit peu en dessous. Ok, on va faire en normal. Est-ce que vous acceptez ou pas? Ah. Attends, si jamais je clique pas, ça fait quoi si j'accepte pas? J'en sais rien. On va voir. Ça va me lancer dans la map et toi tu vas rester ici comme un gland? Non. Ah non, en fait rien. Non, ça fait rien. Vas-y. C'est juste que je dois relancer le décompte. J'accepte. Marais bouseux. Ah, mais on va à Paris! C'est pour qu'on allait à Paris. C'est pour eux, mais bon. Oh. Des sorcières diaboliques vivent au cœur de ce sinistre marais. Elles inventent tout un tas de potions pour renforcer l'arche et la joie. Je sais pas qu'elle dit l'arche et la joie, j'ai l'impression qu'elle dit l'arche et la joie. Ces sorcières, les Ilageois seront invincibles. Mais restez sur vos gardes, le marais regorge d'horribles surprises. Regorge d'horribles surprises. Ah, ma belle-mère. Ah bah vu qu'il y a des sorcières, oui. Technique, d'un point de vue technique, oui. Le liquide, alors on peut pas aller dans le liquide. C'est pas considéré comme de l'eau. Tu vois les âmes là qui viennent vers moi ou pas? J'ai pas fait gaffe. Alors c'est par là-bas. Là j'ai mis un attends, truc en y a, place. Il y a un endroit qu'on a pas visité. Non, tu peux aller là-bas. Ah merde, j'ai coulé dans le marais en fait. Ah, merde. T'as pas visité, c'est sûr. Salope de sorcière, quoi, que tu me balances à la gueule, toi. T'as fait au biche pour accélérer comme ça? Un truc qui m'a mis un bon boost sur la vitesse et puis ensuite j'ai employé des bottes. Les bottes d'accélération ça fait tut. Attends, par contre je vais changer un truc parce que... Ouais. L'arc là, honnêtement, il est moisi. Alors il... Je sais pas, il frappe plusieurs cibles, c'est quand même... Thank you.
est une, en bas. Tu vas mourir dans ta potion. Ouais, Parce que vampirisme c'est pas mal, mais le... Voilà. Voilà, ça ne fait que de la régène. Ah voilà, c'est... Oh, c'est quand même... On va dire 5 PV par seconde, mais bon. Oh là, merde. Putain, j'ai juste eu le temps de sortir dehors. Alors, est-ce qu'il y a rien? Ah non, s'il y a quelque chose là. Là, il y a rien. Là, il y a plus rien. Là, il y a que dalle. Et là, il n'y a plus que dalle non plus. Ok, alors. Ah, en fait, t'as les flèches, elles traversent les ennemis. Voilà, c'est ça, en fait. Alors là, j'ai fait le plein d'armes, je suis au maximum, d'accord. Eh ben, tu vas voir, je vais utiliser mon attaque. Il n'y a plus rien là-dehors. De toute façon, on a oublié. Météor de Pégase. Ah, le Enderman. Enderman. Ah voilà, l'arbalète à répétition. Ouais, je crois que elle est mieux que l'autre quand même. Hop, voilà. Hop, à chipoter. Tir bonus ou ricochet. Attends. On va faire ricochet. Le bruit que ça fait les égouts là. Ah merde, j'ai passé par en dessous. Attends. Non, on a tout fait hein. Viens, c'est par là. Ouais, mais bon, là il y a des flèches, il y a des émeraudes. Hop, voilà. Faut pas zapper tout ça, c'est important. Ah voilà. C'est tombé dans le trou. Là. Alors, tu vas par là, je vais par là. Non, parce que si tu vois, toi, voilà. L'endroit où tu vois, c'est le scénario. Par où tu vas, là, c'est le scénario, donc... Eh ben, au revoir, Enderman. Oh, j'arrive. Je me téléporte. Bon, je fais déjà. F2. Téléportation. Hélicoptérus. Voilà. Me voici. Avec mon paquet de dynamite comme chapeau. Bah, t'es fouillé, là. Hop. Je sais pas comment parfois les coffres ils apparaissent. Bon ben voilà. Ok.
Ouh, c'est quoi ça? Une hallebarde. Yes. Attends, que je regarde. Ouh, étourdi, prospecteur ou fureur. 100% de chance de trouver des émeraudes sur les ennemis. Fureur, avoir vaincu une créature. Moins votre vitesse. Chance d'étourdir temporairement. Ouais, j'adore. Un gros coffre ici. Eh ben attends, parce que tu pars toujours en avant, toi. Alors que je suis encore dans le menu. Je m'appelle Arnold Schwarzenegger. Mais non, je fais une vidéo pour montrer le jeu, pour le découvrir. Donc si tu fais tout à ma place, on peut aller. Ah, par contre, il me donne que des arcs ou des machins. Moi, je veux pas faire un chasseur non plus, moi, putain. Ok. On attend deux secondes que j'améliore mon hallebarde. Voilà. La fureur. D'accord, on passe comme ça en dessous. Non. Restez confinés, messieurs dames. Restez confinés. Bah justement, s'ils ont des tronches de zombies, c'est parce qu'ils sont pas restés confinés. Ouais. C'est tous les mecs qui disaient « Oh, le Covid, c'est une grippe. » Putain, en fait, j'ai réussi à toucher le mec qui est en dessous du pont avec, avec ma hallebarde. Merde. D'accord, ça te le met pour toi et ça te le met pour moi. Point de départ, et maintenant on part. On va bientôt pouvoir commencer à faire une difficulté bien au-dessus. Les mecs qui te courent après, c'est on dirait des vendeurs du souk. Non, non, je ne veux pas. Casse-toi, je j'ai pas envie. Achète, achète. Non, non. T'es
la table principale pour la salle de bain. La table principale dans la salle de bain. Mais il y a une... Où ta femme? Ta femme, combien tu la vends? Renverser le chaudron. On va renverser le chaudron. Oh là, ça cuit ça. Oh là. On va venir se mettre à l'abri parce que moi j'ai plus de vie là, je me planque. Chaudron. C'est exactement ce qu'on devrait dire dans les magasins quand les gonzesses achètent des fringues. Bah quoi que, en fait, elle est meilleure que ce... Ah bah c'est une rare, voilà, c'est pour ça. Bon bah l'autre, on va la recycler. On va équiper, hop, celle-là. Alors, déviation. On donne une petite chance de dévier les projectiles. La barrière de potion, c'est vrai que c'est bien, mais bon, c'est assez limité. Hein. Ah, on a oublié un coffre, je vois. Il y a un coffre qu'on n'a pas ouvert. Non, te téléporte pas sur moi. Je ne me téléporte pas. Regarde sur la carte. Il est là-bas. Bah, c'est pas le coffre que. Ah non. J'ai l'impression que tu veux m'empaler avec ton truc là, comment tu cours avec toi. Là. Ninja, retour. Putain, tu cours tellement vite, on dirait l'Inquisition, tu sais. Regardez. Des non-chrétiens, allons les convertir, the... ouais. Nobody expects the Spanish Inquisition. L'archi-la-joie n'a plus de potions en réserve, et les sorcières mettront longtemps avant de s'en remettre. Va chier la joie, la potion en réserve. Normalement, là, je crois que tu vas pouvoir commencer à acheter des artefacts. Peut-être. Alors, dégâts infligés 22 000, waouh. Alors, moi c'est marrant parce que ça met Zenebatos 4 zombies vaincus pour toi. Putain, il m'a encore filé une canne à pêche, le con. Eh ben attends. Ouais, elle est un petit peu meilleure. Alors une arbalète à dispersion qui envoie des nuages empoisonnés. En fait c'est un mec qui pète quoi, c'est ça ton arbalète. Ouais. On va dire, ouais. J'aurais rigolé si un jour il nous sortait un jeu, tu sais, avec des trucs peu d'impôts. Repousse absolument tout le monde, tu sais. Des trucs, des objets classiques mais qui seraient renommés. Dragée Fuka. Fait glisser les ennemis à proximité de vous. Rage intense. Frapper un ennemi susceptible de le rendre enragé, ce qui peut le rendre hostile à tout le monde. Tire avec détonateur. Certains projectiles contiennent une charge explosive. Ok. Et un tir flamboyant. Bon, l'arbalète là, on va la laisser de côté. Ouais, de toute façon, je ne pense pas qu'il y a autre chose.
que niveau 7 pour le moment. Un arc de chasse. Alors on va faire comme ça pour le moment, ça on va garder, ça c'est bon. Ok. La suivante. Ma soeur. Je suis en train de regarder les merdes que j'ai eues là. Les merdes. Les dagues niveau 25, c'est chier ça. Et n'empêche, quand tu nous regardes avec nos robes, on dirait Gandalf et Gandulf. Gandulf le vieux. Raison, sous mon attends, poil je grisant, changer. Je sens parfois le parmesan. Oh, voilà, là, je me sens plus viril là, avec mon armure. Pourquoi tu remettais ta virilité en cause? Alors, regarde, moi je suis un renard. Tournez la toupie. Alors. Bon, allez, les mines de redstone. Ouais. D'inquiétants grondements se font entendre dans les montagnes de la surface. Justement, on va les libérer. La rumeur dit que les villageois construisent quelque chose d'effrayant en dessous des mines désaffectées, à base de suie, de métal et de feu. Seul un héros comme vous peut descendre dans les profondeurs et découvrir la vérité. C'est exactement ce que je dis lorsque j'ai envie de baiser une nana. Seul un héros comme moi peut découvrir la vérité en descendant dans les profondeurs. Après, elle te dit non, mais en fait, ta princesse est dans un autre château. Attends, que je m'équipe. Par contre, c'est pas réaliste. Attends, dans un jeu Minecraft, on peut même pas récupérer la redstone. C'est quoi ça? Voilà, on y verra plus clair. Et ça nous fait mal le chariot si on est dessus. J'en sais rien, mais toi sur le chemin pour voir. Je vois pas. Ah, attends, il arrive. Ah oui. Ah ouais. Ça fait mal. Ah merde. Attends, on va conduire à ramasser une pioche. Pour la science. T'as t'es sérieux, une pioche? Ouais, l'air de rien, la pioche elle a l'air balèze quand même. Frappe, monsieur, augmente j'ai, les dégâts. J'ai vu une fois qu'on m'avait fait rigoler. Oula, il y a du coffre là. Ah, mais il y a des spawners en fait. Et merde! J'ai succombé! Ah, ah bah, c'est hardcore là de. Ah bah. Ah merde! Hey, c'est pas grave. En même temps, tu trouves le moyen de mourir juste à côté du machin qui fait que de spawner des trucs. Ça pour ça, y a rien. Ouais, je crois que des fois les coffres ils spawnent aléatoirement.
N'oubliez pas de faire apparaître ton chien. Ouais. Bah, je l'ai déjà. Ah non. Bah non, vu que j'étais mouru. Attends, il y a un coffre ici. À sa distance, on peut peut-être gagner beaucoup de XP. En plus, le machin il tue le wagonnet là, ça en tue plein. Oh, mais il y a un gros coup là, il y a un gros coffre là-bas que j'ai pas vu là que t'as ouvert. Non, j'ai pas encore ouvert. Ah, c'est pas vrai! Ah merde, bah oui, mais réanimé, oui, viens me donner un coup de main là. Il te reste 24 secondes. Mais je peux pas te réanimer là où tu es. Bah si, mais il te reste 24 secondes. Tu l'aides parce que le spawner il est presque en train de tuer là. Voilà. Comment 7 secondes. Il y en a un autre ici de coffre. Voilà. Eh, ils viennent d'où là ceux-là? Bah d'un spawn. Yes, une armure du loup. J'arrive. Enfuis-toi. Attention, t'as les rails, hein. Ouais, je sais. Putain, le petit merdeux de zombie, c'est qui tape et qui s'en va en courant. Putain, un vrai gosse. Qu'est-ce que j'ai vu là? T'as ouvert ça là-bas? Oh, ça m'intéresse. Attends, pas. Deux secondes. Vas-y, fais. Attends, l'armure du loup aura de boost du dégât des âmes. Les potions soignent les alliés. Ouais. Bah écoute l'autre, l'armure du machin, bon c'est bien joli, mais... Alors, Wardies, explorateur... Quand votre barre de vie est complète, vos dégâts à distance et de mêlée sont augmentés. Chaque centaine de blocs explorés sur la carte permet de récupérer un peu de santé. Agile des pieds. Rouler vous fait bouger plus rapidement pendant 33 secondes. Voilà. Bon attends parce que je parie que t'as encore ah non ça va. Des dagues. Ah bon.
Envoie ton cube de dynamite, allez. Ah. Putain, ça fait mal quand ils te pètent dans le dos là les... C'est là-bas. Ah non, ouais. Là, y a des creepers partout, c'est pas possible ça. Explorateur, c'est quand même pas mal ça. T'es où? Je te cherche. Hein? Ah, regarde sur la map. Je te vois pas. Ben, en plus, j'étais en train de poursuivre un cochon. Ben, le cochon, il s'est cassé. Il est là. Je l'ai tué, le cochon. Yes. Une armure de spéléologue. Ok. Attends, on va passer par là d'abord. Voilà, il y a monde aussi ici. Mais viens par ici alors. C'est quoi, il y a un truc vert là qui apparaît sur la carte. Un truc vert. Ah, c'est une pickaxe. Libéré de tes chaînes. Vas-y, je t'attends. Attends, il y a... Ah non, ça.
si on a été voir là. Oh là 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 là. Attends, putain. Que c'est un jeu d'adulte lorsque c'est une espèce de boisson rouge qui te redonne de la vie. C'est une pinard, quoi. On a tout visité là-haut. Enfin, il y a une partie qu'on n'avait pas vue. Ouais. En plus, il y a les spawners. Voilà. Et c'est pour ma gueule. Attends. Éloigne-toi, j'arrive sur toi. Tu t'es pris le wagon? Ouais, éloigne-toi. Ah putain! T'as merdé en plus encore. T'as vu comment ça pète de partout? Comment tu veux que je puisse voir parfois? Il balance le truc alors qu'il y a un spawner à côté qui fait des flammes de partout. Tu sais... Mais écoute, je te dis éloigne-toi, c'est tout ce que t'as fait. Je t'ai pas entendu. Pas entendu, c'est tout. Casse-toi de là, hein. Ah oui, attends, je suis en train de me battre comme un démoré, puis toi, tiens, attends, je vais t'aider. Voilà une caisse de dynamite. C'est cool. Jamais content. Par là. Non, pas vrai. Pas au fond du couloir. Sans le mob, battez le golem de Redstone. Ouais. Oh là, qu'est-ce qu'il fait? Il pète le feu, quoi. Oh putain, il met des bas. Ah. Ouais, non, t'arriveras pas, Andrés. T'arriveras pas, Andrés. Il y a de la lave. T'avais pas vu la lave? Bah merde alors! C'est énorme en plus le gros là! T'inquiète-le pendant que. Ah, j'étais sur le point de mourir. Toi t'es en feu. Ok. Avec le TNT c'est pas idéal. Euh...
Ouais, on a trouvé tous les coffres en plus. Ouais. C'était donc vrai. Les villageois construisent une affreuse forge sous la montagne. C'est les chiffres au hasard qui me sont donnés. Je vois que tu as utilisé 42 objets. Et moi, j'ai utilisé 2 TNT. Bah, tu vois, moi, je vois le pourcentage de créatures vaincues, les dégâts infligés, les dégâts reçus. Alors. Ouh, le moissonneur. Ah, bah voilà. Pourquoi est-ce que toi, tu as des trucs. Il te manque des trucs. Bah, parce que je suis niveau. Niveau 10, voilà. Non, 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 c'est pas ça. Normalement, tu devrais avoir un enchanteur ici. Pourquoi toi, tu l'as pas? Un enchanteur? Je me demande si, en fait, c'est pas débloqué sur une partie solo, qui soit là dans les parties... Oh, peut-être sur une certaine map, qu'on n'a pas encore... Bah non, parce que moi, j'avais fait juste le champ des citrouilles, et tu l'as fait aussi. J'ai pas fait le champ des citrouilles. Ah bon? Ouais. D'accord, bah pour moi en fait c'est mal foutu dans ce cas, moi ça me met. Ah bah oui, mais c'est mon truc à moi. C'est. Un champ des citrouilles, faisons. Attends deux secondes. Attends, parce que j'ai trucs, quelques des objets. Trucs. Énergie de santé, vous récupérez un petit peu de santé en activant un artefact. Ouais. Projette une boule de neige vers un ennemi en l'étourdissant. Okay. Frénésie, quand votre santé est inférieure à la moitié, la vitesse d'attaque est augmentée. Pas terrible comme armure. Oh putain, la pioche là, vampirisme, affaiblissement, étourdi, écho. Certaines de vos attaques sont suivies rapidement par d'autres. Ouh. Bah écoute, ma hallebarde, j'aime beaucoup parce que bon, elle a une portée, mais là. C'est sexy! Moissonneur, alors dégâts par artefact de 4 à 112, une seconde de temps de recharge, plus un rassemblement d'armes, nécessite des armes. Écoute, je vais l'employer à la place de la canne à pêche. De toute façon, la canne à pêche, je l'emploie quasiment jamais. Et la pioche là qui fait du vampirisme et plus de l'écho. Ouais, c'est pas dégueu. Ah non, merde. Merde. Ah, il n'y a pas moyen de retconner une arme ou d'enlever une amélioration. T'as dit quoi? Ah non, j'ai fait une bourde en fait. Tant pis, regarde. On va faire comme ça, on va essayer, on verra bien. Alors, lui, qu'est-ce qu'il propose, lui? Côte de marée renforcée. Encore un arc à fond. Une pioche à la noix. Encore une robe d'invocateur. Putain, fous de ma gueule ou quoi? Une arme de chasse.
Là, il me file que des machins de merde. Ah, voilà, une côte de maille renforcée. Ben, voilà. Alors, réduction des dégâts de 35%, 30% de chance d'annuler les coups, temps de recharge du rouleau plus long de 100%. Ah ouais. Ah, je sais pas. On va le garder de côté. Parce qu'apparemment, quand tu as les emplacements d'enchantement, une fois que tu en as choisi un, les autres enchantements que tu avais le choix. Hein ? C'est verrouillé. Ouais, c'est verrouillé, il n'y a pas moyen de revenir en arrière. C'est con parce que en fait, j'avais choisi celui où tu avais vampirisme, mais sur le même emplacement, il y avait moyen d'avoir écho. Sur ma pioche. Enfin bon, la pioche, j'ai quand même vampirisme et affaiblissement. Bon, bon voilà. Celle-là, on va la recycler. Alors, est-ce qu'il y a moyen de l'améliorer, lui? Ouais. Et lui aussi. Voilà. Comme ça, c'est bon. Et ici, 1% de santé récupéré par case que je parcours. Ok. Bah. Après quoi, je vais encore essayer de voir si là, c'est pas un truc intéressant. Ah, encore une côte de maille, décidément. Bon. Bah, on va faire les champs de citrouille alors. Hein. Attention, je suis en train de terminer de faire mon. Oui. Peut-être que du coup je trouverai l'enchanteur. Que c'est là que tu l'as trouvé, toi? Bah ouais. Ah, une tonne de merde. Qu'est-ce qu'il y a? Tout ce que j'ai besoin de cliquer, c'est dommage que tu puisses pas faire du tri plus facilement. Ouais. T'as le malheur de d'attendre un peu. Une tonne de merde qui apparaît dans ton inventaire. Et artefact, j'ai des trucs nouveaux. Artefact, non, j'ai rien de nouveau. Quand tu veux. Ok. Alors. Hop, champ de citrouille. Allons citrouiller. N'empêche, les villageois, ils ont quand même toujours des têtes hallucinées. Ah, connexion a échoué. Ah ouais. Bon, bah on va couper la vidéo là. Ouais, puis... Bon. Bah moi, je me rends compte de l'heure, faut que j'aille vite m'acheter de quoi bouffer. Ouais. Donc, bah voilà, mesdames et messieurs, j'espère que ça vous a plu.
Je vous dis à la prochaine sur la chaîne du Zen RPG. Avec peut-être Master Hack, peut-être pas. On verra bien. Merci et à ciao tchouche, bonsoir. Alors, peut-être que je fasse un peu de montage.